Le CRTC donc a commencé à se pencher sur l'acquisition de TQS par Remstar. Si l'entreprise des frères Julien et Maxime Rémillard a pu acheter TQS, c'est essentiellement grâce à la fortune de leur père, Lucien Rémillard. L'homme et ses entreprises valent de 250 à 500 millions, selon ses collaborateurs, ce qui lui vaudra une place dans la liste des 100 Canadiens les plus riches. Benoît Roy et Jean Hugrois racontent l'histoire de la famille qui commence avec le grand-père des fondateurs de Remstar, Léo Rémillard. Originaire du quartier montréalais de Saint-Henri, Léo Rémillard s'est établi au milieu des années 40 dans l'ancienne ville de Jacques-Cartier, aujourd'hui fusionnée à Longueuil. Les médias de l'époque le décrivent comme un faiseur d'élections. Les faiseurs d'élections, c'était des fiers à bras. On recrutait des fiers à bras qui n'avaient pas peur d'intimider les gens, qui, non seulement de les intimider verbalement, mais de les intimider physiquement. Et on empêchait les gens de voter, on volait les boîtes de scrutin. C'était vraiment les élections à coups de batte de baseball. De 1936 à 1960, il a été condamné 6 fois pour vol, recel et d'autres crimes. Quand il a voulu devenir maire de Jacques-Cartier à l'élection du 1er juin 1957, les quotidiens rapportent que Léo Rémillard a envoyé 200 hommes de main pour intimider ses opposants. À Ville-Jacques-Cartier, sur la rive sud du fleuve, les élections municipales du 1er juin ont été marquées de dizaines d'arrestations. 3 ans plus tard, en 1960, Léo Rémillard est finalement élu. L'année suivante, l'un de ses lieutenants, Rocky Pearson, est assassiné, un meurtre qui n'a jamais été résolu. Si le maire Rémillard n'est pas associé à cette affaire, certains s'inquiètent de sa proximité avec Pearson. L'Association des citoyens unis vient de faire parvenir une lettre au premier ministre Jean Lesage pour demander au gouvernement d'instituer d'urgence une commission royale d'enquête afin d'extirper la pègre de citer Jacques-Cartier. En 1962, le ministre des Affaires municipales, Pierre Laporte, fait adopter un projet de loi que l'on surnomme le Bill Rémillard. C'est que ce projet de loi rend inhabile à occuper une charge municipale durant 20 ans toute personne qui s'est rendue coupable de 3 actes criminels punissables de 5 ans d'emprisonnement. Le maire Rémillard tombe dans cette catégorie. Fin 1962, Léo Rémillard est chassé du pouvoir. Mon passé, j'en ai un passé, tout le monde a un passé. Je crois que, en toute justice, on devrait me laisser la paix en ce qui concerne ma vie privée. Si, au point de vue d'administration, on peut me reprocher quoi que ce soit, je suis prêt à me défendre quand on lâche ma famille. Je pense qu'on ne peut pas nécessairement faire une association de culpabilité chez les enfants, puis les petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants, parce que s'il fallait encore faire ça, je vais vous dire, il y a bien des gens qui rougiraient aujourd'hui de leur passé, de leurs ancêtres. On n'a qu'à penser aux Kennedy, aux Brownsmen qui ont fait de leur argent à l'époque de la Prohibition. On pourrait nommer des noms au Québec puis au Canada de fortunes importantes qui ont été construites à une époque où on ne se posait pas trop de questions. En 1966, il fonde une entreprise de cueillette et de transport des ordures. Le fils de Léo, Lucien, y travaille d'abord comme chauffeur, puis il devient patron de l'entreprise avant de fonder la sienne, Intersan, en 1980. En 1987, Lucien Rémillard achète un site d'enfouissement à Saint-Nicéphore, près de Drummondville. En 1994, Intersan poursuit le gouvernement pour avoir le droit d'importer des déchets du Vermont. M. Rémillard, à l'époque, contestait ça en disant que ça contrevenait au principe de l'accord de libre-échange nord-américain et que le règlement sur les déchets solides devait être modifié en vertu de l'ALENA. Il considérait les matières résiduelles, les déchets, comme étant un bien. Et à cet effet, tous biens peuvent traverser la frontière. Après avoir perdu en cours supérieur, il vend Intersan, une transaction qui lui rapporte 100 millions de dollars. À 47 ans, sa fortune est faite. Mais Lucien Rémillard ne s'arrête pas là. En 1997, il fonde sa deuxième entreprise, RCI. En 10 ans, il fait passer son chiffre d'affaires à 100 millions de dollars par année. Avec les années et les profits, Lucien Rémillard diversifie ses activités. Il a tenté sa chance dans l'immobilier sans grand succès, à part pour le St. James, un hôtel de réputation internationale. Mais son rêve est ailleurs. Il avait comme rêve, à un moment donné, d'avoir une banque. Hein? Sauf qu'au Canada, compte tenu des règles, même une banque B,
on n'était pas dans une position où on a formé une. Non, on a regardé différentes juridictions où c'était possible. C'était la Barbade est une juridiction où c'était possible. La Victoria Bank est l'une des 57 banques de propriété étrangère à la Barbade. Capitalisée à quelques dizaines de millions de dollars, elle compte 6 employés. Julien et Maxime Rémillard sont actionnaires de cette banque qui s'est dotée d'une stricte politique anti-blanchiment d'argent. Et moi, personnellement, j'avais le moindre soupçon de blanchiment et si je ne savais pas d'où vient chaque dollar dans la Banque Victoria, bien, je ne serais pas devant vous en train de donner une entrevue et je ne serais pas l'avocat de M. Rémillard. Hein? Par ailleurs, l'avocate qui représente la banque dans tout ce processus-là, bien, c'est la fille du juge en chef, la Barbade. Je ne pense pas qu'elle voudrait se mêler dans les opérations de blanchiment. Les déchets restent cependant au cœur des entreprises de Lucien Rémillard, qui pourrait bientôt faire une importante acquisition. RCI a présentement fait une offre d'achat pour acquérir une filiale d'une multinationale au Canada, une transaction qui pourrait être de l'ordre, si elle se réalise, de 400 millions de dollars. Les frères Julien et Maxime, quant à eux, se lancent en affaires en fondant Remstar au début de la vingtaine. Leur père les aide alors à acheter Prima Film, une petite boîte de distribution dirigée par Armand Lafont. En 98, j'ai eu un appel de Julien qui me disait « On est intéressé à produire peut-être un film, on aimerait ça aussi trouver un distributeur. » Et puis finalement, on s'est rencontrés. Il a tout de suite eu une très bonne chimie. Et bon, j'ai réalisé qu'il voulait avoir, avant d'aller en production, ils voulaient faire leur classe et ils voulaient faire de la distribution. En 10 ans, Remstar a distribué une quarantaine de films et en a produit 7, ce qui n'en fait pas un gros joueur dans le milieu du cinéma québécois. Jusqu'ici, il faut quand même dire qu'il n'y a pas de succès retentissant. Donc, on ne peut pas penser qu'ils ont généré beaucoup d'argent en coproduisant « Les voleurs de chevaux » de Mischa Wald, qui est un film qui a tenu une ou deux semaines en salle, ou « Le secret de ma mère », qui est quand même un film un peu discret. « Elles étaient cinq », qui a eu un certain succès, compte tenu que c'est un film difficile autour d'un viol. Mais ce n'est pas avec ce type de cinéma-là qu'on génère des profits. Sans leur père, Julien et Maxime Rémillard auraient-ils pu se payer TQS? Comme les anciens disaient, tu sais, faut pas attendre que mes enfants aient 60 ans avant de lui verser l'héritage. Donc, M. Rémillard a jugé que c'est un beau projet. C'est un projet rassembleur pour les deux frères. Donc, ça valait la peine qu'ils puissent toucher immédiatement une part d'héritage pour réaliser ce projet. Les deux frères sauront-ils faire fructifier leur héritage avec une station qui, depuis 20 ans, a perdu 225 millions de dollars? Comme c'est des sportifs, laissez-leur le ballon entre les mains, là, puis laissez-les courir avec. Puis moi, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir, sincèrement, qu'on pourrait avoir des surprises. La première surprise, cependant, c'est le CRTC qui se la réserve avec sa décision finale sur la vente de TQS, décision qui ne viendra pas avant la fin juin.